Alors, du coup, on va aller coacher une personne. Mais avant, déjà, on va aller rejoindre Mary Poppins, si vous le permettez. Si vous le permettez pas, ben, je m'en bats la race. Hey. Écoute ça, écoute ça. Et devine ce que c'est. Écoute, t'es prêt, Siskat? Ouais. C'est pour toi, écoute. Alors, t'aimes ça? Quand tu fermes ta gueule? Non, quand t'entends ça. Quand quoi? T'as pas entendu? Non. Mais sérieux, je fais de la CMR en léchant mon micro depuis tout à l'heure, quoi, et t'entends rien? C'est dégueulasse, tu lèches pas ton micro, il a le sida, ton micro, mec. Ça fait 8 ans que tu l'as pas lavé. Non. Alright, I'm gonna show you guys. I'm in pro league. Me, I'm Mary. Oh, Mary, really? Salut Cédo, bienvenue à la Salty Academy. Alors ce soir, c'est ton premier Teach Me en notre compagnie. Alors pour tout d'abord, j'espère que tu vas bien. Comment te vas-tu? Ça va, ça va. J'ai la pression directe là. J'étais tranquille en train de regarder un petit film. Et là, ok, direct, génial Cédo, on est super contents. Voilà. Alors ce soir, c'est ton premier Teach Me. Tu vas nous parler un peu de toi, comment t'as, quel âge et pourquoi, d'où tu viens? J'ai 29 ans. Waouh, t'es trop vieux. Voilà. Et ouais, je suis trop... Mais moi, plus jeune que vous. Ouais, comment ça, vrai, plus jeune que nous? Vous avez 30 ans, non? Non, mais t'es ouf ou quoi? Nous, on a 23 ans, mec. Moi, j'ai 23. Hors 24, taxe. Pour être franc. 24, j'en avais. Je raconte ma vie ou... Bah grave, ouais, mec, vas-y, raconte ta life. Bah, ouais. On est tous là, hein. Là, on est déjà... Il y a déjà 1000 personnes, ils sont juste là pour savoir ta life. Hein. Ouais. Ok, bah ma life, écoute, je suis papa de deux filles, je suis marié, et puis je travaille. Et puis... Papa marié, 29 ans, t'habites en campagne, à bout t'habites en campagne. Non, je le défends, à 27 ans, moi j'étais marié, mec. Ouais, mais tu t'es pas reproduit, toi. Non, bah non. Ah, t'as eu l'intelligence de pas faire des petits comme toi, parce que mon gars, hein, je peux te dire que si tu fais une portée, tu les gardes pas, hein, s'il te plaît. Hein. Un grand sac poubelle et à l'étang tout ça, hein. Je sais même pas si je suis fertile, mec, pour tout avouer. Non, parce que j'ai remarqué que quand j'éjaculais, c'était tout vert. Mais c'est dégueulasse, putain. Bon alors, et pourquoi le Teach Me? Bah, quand je me suis inscrit il y a à peu près 2 ans... Il est drôle en plus, il est marrant. Oh, il est pas mal, on va peut-être le garder, lui. Ah, je l'ai préparé. Ouais, du calme, calme-toi quand même. Ok, c'est bon. Prends tes faut le remettre en place. Ah, attends, excuse-moi. Ouais. Excuse-moi, vraiment, c'est très important. Je préfère te couper et foutre la merde dans la question qui a été posée et tout. Mais c'est très important. Quel âge ont tes filles? 7 ans et 2 mois. Oh putain, yes. Mais c'est dégueulasse. P1, P2, pourquoi le Teach Me? Oui. Bah là, je suis rentré dans une équipe. Et à la base, j'étais solo, donc je voulais juste être diamant histoire 2. Maintenant, ce qui m'intéresse plutôt, c'est. C'est d'avoir un bon niveau pour pouvoir jouer en fait. Faire ce qu'on a à faire, quoi. De faire des tournois et un niveau amateur, mais s'éclater un peu plus sur le jeu. Ça veut rien dire, de faire des tournois à un niveau amateur. C'est-à-dire, j'ai envie de faire des tournois pour m'amuser, mais j'ai pas vraiment envie de les gagner, c'est ça que t'es en train de me dire? Si. Non, c'est pas ça, Oula, attends, en revanche, on s'entend en double. TBA, en revanche, on veut bien que tu nous regardes, poulet, mais coupe le son, s'il te plaît. Oh le bâtard, il a dit coupe le son, le bâtard. Oh, je l'aime trop pas. J'ai pris du sucre en fait ce soir. Bon, il faut vraiment qu'on revienne sur cette phase qu'on vient de dire. Vas-y, vas-y. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que je me fixe pas d'objectif d'être un pro et de faire des produits comme ça. Moi, ce que je veux, c'est juste faire des tournois, du style Paris Games Week, ce genre de choses, des trucs. Mais c'est des pros qui vont à la Paris Games Week, je voulais. Pas forcément, il y a aussi des top amateurs. Non, c'est du top player. Donc, t'as quand même une volonté e-sport. Oui. Sur mon ping. En ma ping. Je connais vraiment pas cette de rapport en jeu. Oh là, le saut qu'il a fait lui. Tiens, prends tes gilets. Je les ai apportés que pour toi. Scanning. Je me suis dit lui qu'il n'arrivait pas à tirer au moment où je me suis décalé comme une grosse merde. Puis il est vraiment mauvais. Je lui ai mis une petite balle dans la tête comme un salopia ou quoi. C'est trop important. C'est pas sympa de se tromper. Regarde ça, regardez ça. Ça me fait mal de tuer Dokkaebi. Oh la pause. Ça me fait mal de tuer Dokkaebi.
Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois par le passé, pour X et Y raisons sur lesquelles je vais pas revenir, le fait d'être diamant dans Rainbow Six, c'est le baccalauréat de Rainbow Six. Hein. Donc c'est, ça sert à rien d'avoir le baccalauréat, ça permet d'aller au-dessus, ça permet de faire des études supérieures, mais en soi ça sert à rien, je peux pas dire. Comme je l'ai déjà dit, tu vas pas voir un mec en disant « Salut, j'ai le bac !» Ouais bah écoute, c'est super, le balai il est là, connard. Voilà, non, c'est vrai, ça sert pas à grand-chose. Mais viens de me rappeler. Ça déverrouille un truc. Et donc du coup, comment est-ce que tu n'as pas réussi, pardon, c'est ma mère, comment est-ce que tu n'as pas réussi à aller jusqu'au diamant? C'est quoi tes, soit ton analyse personnelle est profonde, soit plus communément appelée des grosses excuses. Grosse, profonde. Alors ma grosse excuse, c'est que j'étais tout seul. De quoi? 6-4-H-E-Y. Bah oui, j'étais tout seul, donc en solo queue, j'y arrivais pas. Mais tu dois y arriver. Non mais moi, ça, si tu veux, ça m'intéresse pas plus que ça d'avoir le diamant pour avoir le diamant. Ce que je veux, c'est surtout avoir le niveau de jeu d'un diamant. Après, si je suis... Ouais, non mais en soi le niveau de jeu, non mais ça c'est trop facile, non. En soi le fait d'avoir le diamant ne sert à rien du tout. Mais c'est la même chose que là je suis ton employeur et si je te dis bah mais je suis désolé monsieur mais il me faudrait quand même le bac et que tu me réponds bah, attendez, moi l'important dans la vie c'est pas que j'ai le bac, c'est que j'ai l'équivalent du niveau du bac, voire même plus. En soi t'as raison, sauf que malheureusement la vie elle est pas comme ça. Et en particulier quand tu recherches une équipe, même si c'est pas ton cas à l'heure actuelle, on aime bien coller des étiquettes sur les gens. Donc va te prendre l'étiquette gratos d'être un diamant déjà, j'ai envie de te dire. C'est pas méchant, mais tu vois ce que je veux dire. J'imagine. Oui, non mais c'est sûr. Non mais maintenant qu'on est en fait, c'est pas si facile que ça de l'être tout seul. Et maintenant que c'est pas facile, je sais bien. Maintenant que je suis avec une équipe, oui, forcément, c'est forcément si ça tourne bien, on va être diamant. Ouais, mais bon, être diamant, attendre d'être en équipe pour aller en ranked, enfin, je veux dire, aucun joueur pro quasiment ne part en équipe en ranked, quoi. Ça arrive très peu, quoi. En plus, si tu te fais choper, tu te fais insulter de tous les noms, quoi. Ah, les pintas, les machins, les trucs, ils sont en ranked ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Donc non, l'objectif diamant pour moi c'est un objectif personnel, ok? Qui peut savoir de temps en temps avec en pré-made, hein, comme on le dirait sur League of Legends, donc avec un de tes potes, deux potes, trois potes, peut-être, de temps en temps. Mais en règle générale, c'est quand même un objectif perso. Et qui dit objectif des perso dit l'avoir tout seul, quoi. Il faut l'avoir tout seul. Ok. Je veux du lourd. Moi, je suis en train de faire une connerie parce que je suis en train de prendre glace comme d'habitude en premier. Et comme d'habitude, je vais dire mais non, mais je suis pas assez chaud pour change-le. Bah, change-le maintenant. Ouais, donc, t'as raison. T'as raison. Voilà. Non, tu sais quoi? Ouais, non. Ouais, bah en fait, le point que je prenne, tu vas m'engueuler quoi. Non, bah, c'est déjà, c'est pas à moi de t'engueuler, c'est à toi de t'en remettre en question. Moi, je suis un toto, c'est moi le toto. Capcan qui arrive sur le port top, il est pingé. Il est accroupi, il était accroupi. Ouais, je sais, mais j'ai trouvé trop cher. Flé. Il y a les gens derrière la boîte. Non! On arrive que de la merde. Ah putain, il bandit trick. Je sais pas s'il y a encore. Si, si, il y est, je fais ses pulping. Tu l'as vu. Non, non, il arrive, porte mail, porte, il est à la porte. Laquelle porte? La porte d'entrée du garage, voilà, là où tu tires. Il est dans l'angle, il décale. Là, tu le coinces. Ouais, c'est bon. Sorry, je suis vraiment désolé, c'est inadmissible. J'aurais pété un cap sur ma FSA. No shit, Sherlock.